très élevé pour elle, elle qui peut dépasser les 15 points. Et voici l'autre vedette de ce mémorial Gonder, l'Ukrainien Oleg Vernaïev, infidèle de Morges. Et d'ailleurs, le public hein, l'adore, c'est le chouchou du public, Oleg Vernaïev. Ouais, qui est un peu à la surprise générale quand même, hein, après ses blessures, avait obtenu la troisième place du concours général à Stuttgart. Donc il est vraiment revenu en très grande forme, un peu à la surprise. Mais ici, un beau premier passage hein, de l'Ukrainien au cheval Arsan. Un des grands spécialistes, lui qui est capable hein, de rentrer en finale sur cet appareil lors des championnats du monde. Et ici, travaille sur la poignée, en flop, un cercle, deux cercles. Et un russe entier, une partie E. Le Shivado balade en arrière. Et ici, deux russes en traversant le cheval. La même chose, mais avec un seul russe. Et il enchaîne avec les russes au bout du cheval. Et c'est déjà la sortie pour Oleg Vernaïev qui commence très bien cette compétition. En rappelant que les garçons doivent présenter 4 engins sur les 6 possibles pour essayer d'additionner le maximum de points. Alors que les filles en font 3 sur les 4 possibles et une excellente première note pour Oleg Vernaïev, 14-600 dans le duel là qui va sans doute l'opposer à Arthur Dalaloyan.